Bonjour tout le monde et bienvenue dans Kingdom Hearts 2, dans le Port-Royal. L'île de la Muerta. Port-Royal. Non, c'est le début, pas, non, mais le jeu il a dit quand on est arrivé Port-Royal. Oui, mais tu n'es plus là-bas. Port-Royal. Île de la Muerta. Ah, tu vois, c'est écrit Île de la Muerta. Qu'est-ce que c'est que ça? Marteau. Marteau. Papillon. Oh. Ah non, ok, d'accord, j'allais dire, attends, je peux plus sur triangle. Non, c'est parce qu'il y a un coffre. Bah alors, les pirates, ils ont pas tout pris? Je suis un peu surpris. Oh, mais je sais pas ce que c'est, éclat de vitalité, alors je l'ai pas pris. Je sais pas si ça se revendra cher. Pareil pour ce petit machin, éclat de mithril. Non, bah un éclat de mithril, ça se voit quand même ce que c'est. Autant le truc de vitalité, ouais, bon, allez. Ok, allez, un petit saut pour passer. Je veux bien, mais... Salut. Ah bah, vous avez réussi. Ils sont en trousse. Je voulais dire, ils sont après nous, mais... On va les retenir. Préviens-nous quand le navire est prêt. D'accord, nous allumerons le signal. Un signal? On n'est pas au courant qu'il y a un signal. Regarde. Il faut que tu ailles dans la lumière. Reculez. Les stockades. Par balle. De toute façon, vous faites foudre et puis c'est bon, ils sont tous morts. Hein. Voilà. Mais par contre, fais attention à toi quand même. Ah oui, c'est vrai que c'est des ennemis normaux, ils font mal. Je sais pas trop comment c'est possible, mais... Alors, les ennemis normaux, ils font plus mal que les ennemis... Que les boss. Que les boss, voilà, merci. Sauf Zexion. Oui, mais même Zexion. Mais Zexion, c'est pas lui qui fait mal, c'est ses petits... Ses livres. C'est ses petits livres, justement, tu vois. Genre, y a non, des parce qu'ils sont pas très malins de se jeter sur toi. Hein. Bah, surtout les. Ah mince, t'as un temps limité? Ou il fallait juste. Puis ils continuent de me frapper, le gars. Mais non, il fallait juste attendre en fait. Ah! Il fallait juste survivre pendant une minute. Ah, ils l'ont dit. Le signal! Vite! Bah, vous abandonnez Jack? Bah, écoute. C'est qui Jack? C'est qui, oui? Ils le connaissent pas plus que ça, hein. C'est pas comme s'ils avaient navigué ensemble pendant plusieurs jours. Ça s'est passé en quelques minutes. C'est vrai, c'est vrai. Ça va, on n'est pas trop pressé. Non, non, ça va, on a juste des pirates qui nous poursuivent, c'est tout. Mais bon, où est Jack? Eh bien, je vais vous raconter le film. Et maintenant, le sang va être versé pour nous libérer de cette malédiction à tout jamais. Non, pas encore. Faut attendre le bon moment. Pour que tu en tires le meilleur profit. Je te pose une question. Ai-je déjà donné une raison de te défier de moi? Reste là. Et tâche de ne rien faire de stupide. Chut. Pas de bruit. 1, 2, 3. D'où tu sors ça? Je suis un personnage de jeu vidéo, il vient de mon inventaire. Oh, ça fait de la magie tout ça, t'as vu? Ce qui commence dans le sang doit finir dans le sang. Magnifique! Regarde ça, Mia. Au lieu de me regarder, moi. Mia, elle en a rien à faire. Elle a pas vu le film. Elle aime pas le film, c'est pour ça. Non, j'ai trop mal. Quoi? Mais que se passe-t-il? Je me sens pas différent. Toi, un domestique, ton père s'appelle bien William Turner. Quoi? Ah, oh bon. Qu'est-ce qui se passe? Qui nous a amené cette fille? Elle dit s'appelle Turner. C'est pas possible. Pourquoi ça marche pas? Il nous faut plus de sang. Il te moque de nous. Dépêche-toi. Hé, hey, vous! Non, tu vois, ils ont rien à faire. Mais pourquoi il l'a jeté du coffre déjà aussi? Mais non, il est allé tomber toute seule. Je n'avais pas le choix. Vous oubliez que Jack est aussi un pirate. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. C'est pas très gentil. Le plan des lieux. Mais Sora, lui, il est gentil, tu vois. Il veut quand même aller aider Jack, tu vois. Mais oui, c'est un pirate, il est forcément cool. Hein, Sora, t'es gentil. De toute façon, t'es obligé parce que sinon, tu bats pas le boss.
Ah non, on est parti. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Elle est où la fille? Elle doit être en bas. Parler à la fille. On aurait dit que tu allais voler. Ah, t'aimerais bien, hein? T'aimerais bien. J'ai débloqué la compétence. Allez, le monde de Peter. Bonjour. Enfin, j'étais à bord du navire à découvert. Oui. Qui a découvert, pardon, Will dérivant sur l'océan. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le. Enfin, bref. Ok. Tu viens de dire que tu as volé le médaillon à Will? Bien sûr! Tinko! Je suis sûr que Jack va bien et est capable de se tirer de toutes les situations. Genre vous. Vous lui parlez comme si vous le connaissiez depuis longtemps! Bien sûr qu'on le connaît depuis longtemps. Même si les pirates ne m'inspirent pas confiance, j'espère que Jack n'a rien. En tout cas, on doit déposer Elizabeth à Port-Royal. Rentrons à Port-Royal, nous serons en sécurité. Là, on va aller sur l'île de la Muerta, bien sûr. Mais bon, on va suivre le jeu, ok, ok. On va pas aider notre ami. Ah, attention, tu te fais attaquer par des pirates. Et vous sortez d'où? Élimine tous les ennemis ou réfugie-toi dans la cabine. Vous êtes sérieux, genre... Ah, j'ai trop peur. Non, c'est là-bas. Ah, j'ai trop peur. De quoi tu te mêles, toi? Je suis en train de dire que j'ai peur. Laissez-moi tranquille, voyez-vous. Ah, j'arrête de viser. Ah, j'ai trop peur, vite. Et d'ailleurs, en quoi ça va nous protéger d'être dans la cabine, justement? Au contraire, tu peux pas les tuer dans la cabine. C'est encore pire d'aller dans la cabine, je veux dire. Il faudrait peut-être aller à la lumière avant de les frapper. Boum! Bon, il n'en reste plus qu'un. Allez, on y va tous ensemble. Il n'y en a pas deux? Je sais pas. Visiblement, s'il y en a deux. Oh, il donne des éthers, c'est bien ça. Enfin, c'était bien, maintenant j'en ai plus vraiment besoin. Ouais. Pour l'instant. Jusqu'à ce que j'affronte le fils de Xexion. Là, j'en aurais besoin. Le fils de Xexion, t'as dit? Ouais, là, son fils. Mais il peut pas avoir de fils, c'est un Sibili MDR. Et puis il est mort. Pourquoi vous avez choisi mon nom? Je ne sais pas. C'est à vous. C'est à vous. Je l'ai depuis le jour où on vous a retrouvé sur le... Et après tout ce temps, je pensais que j'avais perdu. Parce que voilà, Kingdom Hearts, tu vois, là, tu ne vois pas Sora et la Kairi. Ah, d'accord. Moi non, par contre. Sob, sob. Pourquoi vous me l'avez pris? Parce que j'avais peur que vous soyez un pirate. Ça aurait été horrible. Bien sûr. Ne voyez-vous pas? Je suis un pirate. Il ne leur fallait pas de leur sang. Il fallait le sang de mon père. Mon sang. Le sang. D'un pirate. Ah. Regarde ce sourire là. Ce sourire de joie. Ah, il est triste, William Turner. Parce que c'est un pirate. C'est bien d'être un pirate. Alors, l'enfer, comment as-tu réussi à réussir jusqu'à cette île? Tu t'as fui à bord de mon navire et que t'as voué la mort sur cette île maudite. Avec rien d'autre qu'un pistolet et une seule balle. T'as oublié une chose essentielle, camarade. Je suis le Captain Jack Sparrow. Je ne commettrai plus cette erreur à l'avenir. Alors, que dirais-tu de laisser le passé derrière nous, de détacher ses liens et de laisser négocier la restitution de ton médaillon, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Vu que le Black Pearl est à moi maintenant, Jack, te relâcher ne serait pas du tout dans mon intérêt. Étrangement, je ne sens pas qu'elle est concernée par ton intérêt. Rends-moi le Black Pearl! Allez, enfermez-le dans le fond de la cale! Bonjour, monsieur. Et on arrive à l'intercepteur, qu'est-ce qu'on fait, capitaine? À ton avis, sombre crétin, on le coule! Oh là 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 là! Vous avez oublié votre devoir de pirate? Et on pille tout ce qu'il y a à manger dedans, même si c'est pas bon. Hein, on prend le rhum, même si on n'arrive pas à le boire, et c'est pas grave. On est des pirates, et on doit agir en tant que tel. Oh mon dieu! Regardez! Des pirates! Pirates chenois? Non, juste des pirates! Qu'est-ce qu'on va faire? Je me demande ce que Jack ferait. Je ne sais pas. Je suppose qu'il s'enfuirait. Quelle bonne idée! Oh bah!
C'est pas grave. Où ça plat ventre? Oh, ma tête, j'ai mal. Ouais, ça va être ça qu'on va ouvrir à la porte. Oui, voyons. Qu'est-ce que vous demandez ce que Jack ferait? Qu'est-ce que Sora ferait? Il volerait avec le pouvoir de Peter Pan jusqu'au l'autre bateau. Mais oui, mais c'est pas les mêmes pirates, là. Ah, mince. Il invoquerait Clochette, comme ça, il meurt pas. Ah, t'aimerais bien avoir Clochette. C'est sûr, c'est sûr. Mais... Non, à la place des Chicken Little. Ah, attends, t'es pas sûr, hein. Ça se trouve, Clochette, elle a changé. Le... Canonade. Ah, tu peux tirer des boulets de canon sur le bateau et couler le Black Pearl. Ça a l'air d'être une bonne idée. Qu'est-ce que t'en dis? Tu devrais faire ça. Ouais, ouais. Si j'arrive. Juste résister là encore? J'en sais rien. Non, c'est lui qui a la pièce. Faut que je la récupère, je crois. J'avais lu qu'il fallait que je récupère la pièce. Oh, du coup, j'ai monté un niveau et bien sûr, forcément, j'ai monté ma défense. Bah oui, attends, t'as pas vu que t'avais pris bouclier en fait? Pourquoi je peux pas récupérer le médaillon? Je sais pas, mais l'information, elle te dit de récupérer le médaillon. Faut pas que tu meurs. Bon, il est où le médaillon, sinon bon. Récupère-le vite. Je sais pas où il est, mais... Get it. Il y a des pirates qui arrivent d'abord. Bon, il est où le médaillon, là, je veux dire. Tout à l'heure, il me disait qu'il y avait quelqu'un qui l'avait, le médaillon. Et hop, on va tirer. Mais... Maintenant, maintenant il est apparu. Et pourquoi je peux pas ramasse vite le médaillon. Là, ah oui, d'accord. Là, je l'ai ramassé, donc c'est bon. Il est quelque part par terre, tu ne le vois pas? Pourquoi je le perds, le médaillon, à chaque fois? Parce que dès que tu te fais toucher, tu le perds. Mais voilà, je l'ai encore perdu, pourquoi c'est lui qui l'a, genre? Lui, il était pas là, genre, bonjour. Voilà, et maintenant, on l'aura le ramasser. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ah, il jette des bombes, ok. Faut rester sur le pont là-haut parce que... Bon, venez. Il y a de la lumière. Faut éviter de mourir. Bon. Venez quand, là? Peut-être que tu continues de tirer des... Allez, on va fusionner avec Dingo. Pour monter un peu notre expérience de jeu. Bon, ok, d'accord. Alors, faut pas fusionner. Parce que si tu fusionnes, tu perds ton truc, ok? Allez, hop, on tire des canons. C'est pas le médaillon par terre, là? Vite. Non, moi, je préfère tuer les méchants. Voilà, tu vois, j'ai même pas besoin d'aller chercher le médaillon. Qui se souvient du médaillon? C'est pas grave, il est dans le bateau, c'est bon. Ça suffit. Youpi! On a battu les pirates! Pas trop vite, nous saillons. Jack! Maintenant, je vais récupérer le médaillon. Non, non, il était par terre, Sora. T'aurais dû le laisser par terre. À moins que ce ne soit plus important que leur vie. Vous allez la libérer. Vas-y, mon garçon, tire. Nous ne pouvons pas mourir. Vous ne pouvez pas. Mais moi, oui. Je suis Will Turner. Mon père, c'était Bill Turner. Son sang coule dans mes veines. Je ne plaisante pas. Faites ce que je dis. J'appuie sur cette détente. Je vais rejoindre le dieu des océans. Et sans vos revendications, monsieur Turner. Libérez Elizabeth et Sora, Donald et Dingo. Mais ils sont pas capturés, Sora, Donald et Goofy. Oui, Sora, partez tout de suite. Pauvre Jack Sparrow. Accordé, nous allons partir. Mais son cœur reste. Oh, mais c'est pas grave, ça. Ils sont nuls, les sans cœur. Ah, bah, du coup, il a kidnappé Will. Quel traître! Y'a pas de traîtrise. On n'a jamais parlé des sans cœur. Et Pat, il peut très bien partir avec Will s'il a envie. Ah, bah. Moi j'ai toujours fusionné, tu vois. Du coup, Dingo, tu sais pas comment il s'est fait capturer. Tu aurais cru que ce serait si facile. Je ne ferais plus jamais confiance à un pirate.
Les barils de poudre sont en place, capitaine. Il ne me reste plus qu'à vous dire adieu. Mais non, moi j'ai fusionné. De toute façon, j'ai déjà résisté à un gars qui me lance des météores dans la tête. Et bon. Qu'est-ce qui va nous arriver? On va être pulvérisé. À quoi bon paniquer? Un pirate doit parfois savoir se resigner. T'es sérieux, Jack? Me prendrais-tu pour un vulgaire boucanier? Allez, hop, moi je sais faire ça. Hein. Commençons par nous débarrasser de ces barils. Il n'est pas question de perdre le navire. Parce que je ferai plus confiance aux pirates. Sage résolution, moussaillon. Regarde, tu pourrais... Et là, du coup, je vais plus être en fusion, c'est ça? Puisque je n'ai plus Donald dans mon équipe, Dingo dans mon équipe. Qu'est-ce qui va se passer? Le jeu, il va dire, non, qu'est-ce que t'as fait au jeu? Je vais crash. Ou simplement devenir normal et pouvoir refusionner dans l'immédiat. Donc c'est bien. Mais non, mais pourquoi je vais voir, genre... Oh, il y a des trucs nouveaux. Bon, tu sais ce qu'on va devoir faire? Affronter des sans-coeurs. Débarrasse-toi des barils de poudre. Là, il faut faire quoi? Il faut shooter dedans? Ah non, dégommé. Ok, jette-les dans l'eau. Ce sera suffisant. Plus que 4. T'as pas de temps limité? Je veux dire, ça explose au bout d'un moment. Ah si, tu vois, il y en a un qui est en train de brûler, là, tu vois. Mmh. Un sans-coeur essaie de faire sauter un baril. Ah. Il doit être lui. Ah oui, là du coup il brûle plus. Ah oh bah c'était difficile. Ouais! J'ai gagné un nouveau truc, trop bien, un nouvel emplacement pour objet, sachant que je n'avais pas d'objet. Ils sont partis. C'est la deuxième fois que je vois cette canaille fille à bord de mon vaisseau. Je le retrouvais bien assez tôt. Courage, capitaine Jack Sparrow. Cette canaille! Allez, on retourne sur l'île de la Muerta. Oui, Elisabeth, elle... Restez à bord, jeune fille. Alors que vous allez risquer sa vie? Il n'en est pas question. Ce cher William ne craint rien, je vous assure. Je ne suis pas idiot, Jack. Non, faites-moi confiance. Je compte sur vous, je vous connais pas, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas des pirates, vous êtes forcément meilleurs. Mais on était pirates à l'espace. Oh. Est-ce que tu as envie d'affronter un autre sans-coeur? Ah mais elle c'est l'électricité, tu vois. Et oui, c'est normal, il crée de la foudre ici. Mais bon, je vais pas me remettre. Attends, mais t'as Jack Sparrow avec toi. À perdre 4 heures encore dans le combat. Jimmy, j'ai juste envie d'aller voir vite fait, mais c'est tout. Voyons un peu ça. Est-ce que du coup, Jack Sparrow va venir avec toi? J'avoue. J'ai juste envie d'aller voir comme ça. On va se dire bonjour et ensuite je vais mourir, très certainement. Non. Au revoir, Jack. C'était un plaisir de t'avoir rencontré. Mais la madame de foudre, quoi. La madame de foudre. Mais elle est ignoble, elle. Elle est ignoble. Déjà que l'autre, il ne faisait pas des attaques qui tuaient dans Chain of Memories, mais elle, elle en faisait, tu vois. Genre elle va même pas. Elle va te jeter un truc, tu vas mourir tout de suite. T'inquiète pas. Tu vas rien comprendre à ta vie. J'espère que cette musique t'avait pas manqué. Ah bah si, franchement. Rigolo. Ah bah elle devient une Super Saiyan directement. Hein. Elle a beaucoup plus de vie. Waouh, oui, non mais c'est clair que là... Laquelle est la vraie? D'accord. Allez, hop, c'est bon, spin dash dans ta tête, t'es morte. Désolé, j'ai pas de truc pour... Non, c'est bon, j'allais dire, attends, j'ai continué. J'ai pas de truc pour résister. Voilà, c'était l'Arxène. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce personnage. Mia, elle a pas l'air d'aimer, hein. Continue de te battre. Non, mais j'ai pas assez de défense pour la foudre, Mia. Mais pour l'instant, on a que des défenses de feu, aussi. Du coup, il faut attendre plus tard. Je suppose. Quand le jeu, il sera sympa. Ouais, la musique de Jack Sparrow, trop bien. On va tuer eux, alors que ça sert à rien de les tuer, mais c'est pas grave, je me fais plaisir. Allez, au revoir. Voilà, merci d'avoir participé à cet événement incroyable. Les petits pirates papillons, ils sont de retour. Fantastique. Ah, vous l'avez tué. Ah, à deux quand même, vous y arrivez. Et tu me prends pour Donald ou Goofy, dit Jack, hein, Sora. Je suis pas aussi nul qu'eux, tu vois. T'étais sérieux, toi, genre... Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous continuez sincèrement à l'attaquer hors de la lumière?
Et puis il est sérieux, lui, d'y retourner. Et voilà, il a explosé. Magnifique vue. Ok. Oh, oh. Plein de puzzle. Et c'est bon, on se calme, monsieur. Hein. Hop. Yeah, la potion. J'espère qu'il s'amuse bien. Ça va, ça va. Voilà, hop, le gars, il s'en va. Ah non, finalement, il retourne. Hein, bon. D'ailleurs, ça explose, mais ça te fait pas de dégâts. Bah, encore heureux, tu vois. Bon, oh, y a rien ici. Ah, sale au clair de lune, au clair de la lune, mon ami Pierrot. C'est pas ton ami Sparrow ? Mon ami Sparrow. C'est vrai, c'est vrai. Oh, il a eu mal, lui. Boum, dans ta tête. Oh, il a résisté. Ok, ok. Attention à toi. Voilà, vous avez l'air passionnant. Ah, ok, c'est un méchant, ça, en fait. Jamais, parce que tu vois, dans ce monde, tout est terne. Au point que même ta barre de vie, elle est terne. Mais oui, c'est... Mais pas Sora, Donald et Goofy. Qu'est-ce qu'il fait, le QQB? Qu'est-ce qu'il... Ça va pas, monsieur? Vous avez un problème? Ah non, il a brûlé, je crois. Oui, 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 mais je veux dire... Wow. Attends, mais du coup, j'ai envie d'essayer ce que ça fait. Ben non, j'ai plus de magie, c'est vrai. On va attendre. J'ai envie d'essayer, du coup, glacier pour voir ce que ça leur fait. Parce que, bon, c'est... Parce que Donald n'a pas glacier. Allez, allez, allez. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Mince, on va lui... tous les tuer avant. Bon. Ah bah... Ah bah... Ah, ah oui, il a été paralysé après. J'espère que t'es pas trop triste. Que tes compagnons t'empêchent de faire des expériences. Mais si, j'ai des mauvais coéquipiers. En fait, tu peux juste plus bouger. Rien d'exceptionnel. Oh, une gemme de sérénité. Cette icône de la mort. Un éclat de mitrille. Vous l'avez toujours pas tué? Arrêtez de prendre votre temps. C'est pourtant pas si difficile que ça de tuer des gens. Si! On a du mal. Mais c'est terrible ce que tu es en train de dire, Milu. Mais ce sont des zombies. Ah, c'est mieux alors. Bon, retentons notre chance. La dernière pièce au trésor, Aztec, a été restituée. Maintenant, le sang va être versé pour nous libérer de cette malédiction. Pour toujours. Cette fois, pas d'erreur. J'espère que t'as pas menti. Oh, regardez, un trésor. Regarde-moi ce trésor. Impossible. Et pourtant, on est en vie. Et en plus, on est des pirates maintenant. Ah, ah bon? Captain Jack Sparrow. Sora. Oh, il a dit Donald Duck. Vous voulez jouer les Donald pirates? Donald Canard, ça marche pas bien. Oui. Mais de toute façon, il s'appelle quand même Donald Duck, même en français, je crois. Oui. De toute manière. Oui, en fait. Parce que bon, Donald Canard. Bonjour, je suis Donald Canard. Ah bon, on n'a pas le droit de faire. Le bal masqué, hein. Merci, Sora. Où est Jock? En train de se battre avec Monsieur Barbossa. C'est quand même beaucoup moins épique ce qui se passe ici. Bah, y a plus de musique pour ça. Ah. Vas-y, Jack, on est avec toi. Hein? Hein? Eh, vous me déconcentrez à me parler. Jack! T'es un crétin, Jack. Ça, c'est ce que tu crois. Bon bah c'est un crétin quand même, hein. Pour Barbossa, il va quand même dire que ça va être un crétin. Hein. Ah mon dieu, je suis aussi un zombie. Et voilà, dans ton équipage maintenant tu as un zombie, Sora, j'espère que t'es content. Eh oui, je suis maudit, J'ai perdu une dent forcément. Jack, montre-toi Pat, le vent a tourné. Ah t'es comme ça Barbossa. Et voilà, je suis là. Ah, je savais que t'aurais besoin de ton bon vieux Pat. D'ailleurs, pourquoi Pat il est là? Je veux dire, il se passe quoi il est dans ce monde pour que Pat il... Ah, voilà ton boss. C'est Tarzan. Il est de retour. Enfin, le boss de Tarzan, pas Tarzan lui-même. Hein.
Allez. T'as quelques minutes pour détruire ce monsieur. 20 bac Barbossa à l'aide de Jack. Comment ça, 20 Barbossa? En fait, ce caméléon est forcément dépendant d'un humain. Ça doit être ça. Ok. Voilà. Et là, il est dans l'ombre ou dans la lumière? Là où il y a de l'ombre, il y a forcément... Shadow. Là où il y a de la lumière, il y a forcément Shadow. Voilà, le boss, tu vois, il a déjà perdu la moitié de sa vie. Ah oui, mais t'as trop haut, niveau voyant. Non, désolé, les ennemis, ils me tuent en trois coups. Hein. J'appelle pas ça être trop haut niveau, moi. Allez, on va fusionner avec Dingo, Donald, pardon. Ouais, il y avait un triangle, atterrir. J'avoue, du coup, t'as pas vu la commande, l'attaque groupée avec Jack Sparrow. C'est pas grave, on la fera après. Après quoi? T'es en train de battre le boss? Ah, voilà. Non, j'ai raté. J'ai arrêté d'appuyer, en fait. C'est pas grave, tu peux patiner sur l'eau. C'est pas trop cool, ça? Oh, bah, faut pas mourir. Waouh, ça va super vite. Oui, mais t'as la forme. Mais qu'est-ce qui se passe? Jack, il est mort. Jack est mort, il faut pas qu'il meure. Bon. Oh, Jack, franchement, tu me déçois. Tu me déçois. Hein, tu me déçois. Mais c'est parce que t'as pas fait le combo avec moi. Bon, c'est bon, on va le faire le combo avec toi, ok. Hein? Après, je fusionnerai avec Donald. Ah non, vous êtes sérieux? Non mais vous êtes sérieux? Alors c'est le seul boss qui fait ça, ok? Je sais pas s'il peut soigner Jack en fait. Parce que vu que c'est un zombie maintenant. Ah. Ça se trouve c'est ça le truc. Tu vois. Toi tu dis voilà Barbossa il est trop nul en fait. Allez! Allez! Voilà. Tu as battu le boss, bravo. Va dans l'ombre, toi, Jack, au lieu d'affronter l'ennemi, tu vois. Wow, il m'a fait super mal, là. Mais non, mais... Il faut bien que j'aille affronter Barbossa. Mais non, on l'affronte pas. T'es trop nul. T'es qu'un humain. Est-ce que tu peux frapper Jack? Non, je rigole, il faut pas essayer. Oh. Pourquoi je me touche pas, là? Ah, il vient de réinvoquer le caméléon des ténèbres. Oh bah, naturellement. Vous vous amusez bien, j'espère. Allez. Pourquoi je peux pas faire les attaques triangulaires comme tout à l'heure? I get it. Non, tu l'affronteras Barbossa à la loyale. Allez, on va essayer. Non. Pourquoi t'as fait des feux d'artifice sur Barbossa? Allez, Donald! Oh bah, yeah, c'était la fête pendant ce combat. Yeah! Feu d'artifice! C'est le 14 juillet! C'est le 14 juillet dans son ventre. Dans le ventre de Barbossa, ouais. Trop bien! Incroyable, vous avez fait le feu d'artifice sur Barbossa, mais c'est... On se refera! C'est ce qu'ils disent toujours. Cette fois, tu es prêt à te rendre, Barbossa? C'est inadmissible comment je me suis fait battre. Inadmissible. On me bat pas avec des feux d'artifice, n'importe quoi! Je voulais faire la coopération avec Jack, moi. Ça devient pénible. Hein? On peut pas mourir tous les deux, alors c'est vrai. Regarde un peu, un nouvel argument. Combien de fois devrais-je te le répéter? Rire qui rira le dernier. Et hop, plein de sang dans le... Non! Vous avez fait ça, bande de traîtres! Vous m'avez trahi. C'est un peu terrible ce qui vient de se passer. Non, c'était drôle, j'ai rigolé. Oui, mais toi tu rigoles tout le temps, donc c'est normal. Oh, oulala, la malédiction est levée, ça y est. Il est trop déçu, tu vois, il veut continuer de maudire les gens, le coffre. Bon, alors du coup, c'est quoi? C'est pas le médaillon, le verrou de la Keyblade de machin bidule? Incroyable, ce qu'on vient de faire. Le livre a disparu. Et maintenant, Jack? Je suis libre d'aller où je veux. Black Pearl est de nouveau à moi. Ah, il est trop beau ton bateau. Certes. Merci Jack.
J'ai cru que t'allais encore me frapper, matelot. Jack, bonne chance. N'oublie pas d'être gentil. Adieu, adieu. Vu comment il s'avance, on dirait trop que Jack il est en train de se dire... J'ai pas envie de voir Dingo et compagnie une seconde de plus. C'est trop bizarre d'être avec eux. Ils attirent que les sans-cœurs. C'est le seul personnage normal du monde de Kingdom Hearts, tu vois. Hey, dis donc, Sora. Pourquoi t'es devenu tout rouge? Parce que j'ai fusionné avec toi, espèce d'imbécile. Ouais, je sais à quoi tu penses. Ah, non. Oui, c'est vrai, c'était le compas. L'objet aussi. Bah, qu'est-ce qui arrive à mon compas? Moi, je suis pas sûr que Jack il tolère ce qui est en train de se passer. Hein. Regarde, avec qu'est-ce la grosse. Qu'est-ce que ce monsieur bizarre est en train de faire à mon compas? Avec la grosse Keyblade de Sora, tu vois. Il va dire non, tu vas pas casser. Tu casses pas mon compas, hein, tu casses pas mon compas. Je veux dire, attends, là pour l'instant, on a visité la bête. Le Colisée. Le Colisée, mais eux deux ils connaissaient déjà le truc en fait. Donc, du coup, ça les a pas choqués. Enfin, c'est dans ces deux mondes. Et le premier. Enfin, le premier monde qu'on a fait, c'est quoi déjà? Ah oui, Mulan. Mulan, voilà. Mais Mulan, c'était quoi déjà, Mulan? C'était l'épée, oui, c'était l'épée, mais elle venait de la recevoir, donc du coup, elle s'en fichait un peu, tu vois. Il n'y avait pas d'attache particulière. Vous savez, depuis un moment, j'ai cru que Donald n'aurait pas la force de résister à la malédiction de l'or aztèque. Ouais, moi aussi. Quoi? Mais j'ai jamais vu cette cinématique. Oh. Cool, une nouvelle Keyblade. Mais il y a des endroits où on n'a pas visité là dans le truc de Jack Sparrow. Bah oui. Il y avait un endroit avec des épaves. Non mais tu reviendras plus tard quand on aura affronté l'Arxène. Ah bon? Regarde des nouveaux mondes. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Au revoir tout le monde.